Mon colonel. Oui. Moi, je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question. Pour ce qui concerne M. Moutarba, lui, je n'ai rien à vous poser comme question. Bon, c'est une question, c'est pour les deux. Hein. C'est pourquoi je ne cesse de préciser. Oui. C'est pas l'interrogatoire de M. Moussa Kiégboro. Connaît-il, vous plaît, suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas. Il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Ouais, voilà, donc, si c'est une question simplement pour M. Kiégboro, c'est pas son interrogatoire qu'on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie à votre décision, M. le Président. Seba, est-ce que vous confirmez comme quoi Colonel Tchibourou Camara a dit en votre présence chargé? Oui, je le confirme. D'accord, j'ai fini avec vous. Je ne l'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. Mon colonel, est-ce que c'est possible? Non, devant les manifestants, dans un premier temps, comme je vous le dis, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ceux qui ont applaudi pour vous. Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait, c'est juste une question de s'amuser. Parce que tout ce qu'il raconte, il sait pertinemment qu'il ne peut pas apporter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment se fait-il que moi je peux dire charger à une équipe ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un héros? C'est bon. C'est pas possible. Moi, c'est bon. Je ne suis pas n'importe qui pour le faire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais demander à monsieur Mokhtar. Excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Kiégboro a dit bon, de vous avez répondu, charger. Hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ces hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. Ce n'est pas un interrogatoire. D'accord. À votre avis, le mot chargé signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, ce n'est pas son interrogatoire, on reprend, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Ouais. Si tu veux. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Hein. Allez-y. Merci, monsieur le président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Qu'est-ce que tu as dit ça ici? La gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de service spéciaux que personne n'a vu à côté de moi. La DC. Et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne... C'est bon, c'est répondu. Okay. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarmes. Vous avez été côte à côte. Avec qui? Avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes. Hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. Moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci, M. le Président. C'est bon, vous pouvez rejoindre votre place, monsieur Camara et monsieur...